Le luxe est une affaire d'argent, l'élégance une question d'éducation. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il achète tout le reste. L'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est comme l'intelligence. Inutile d'en avoir si l'on ne s'en sert pas. Autant de citations autour de l'argent, certainement pour nous démontrer à quel point il est indispensable. L'argent est nécessaire. L'argent sert à beaucoup de choses. Eh bien, heureusement pour nous, nous avons l'occasion au cours de cette émission d'en parler. Chers téléspectateurs de Midi chez nous, bonjour et bienvenue dans votre émission. Depuis la semaine dernière, nous parlons de l'intelligence financière. Notre personne ressource, Monsieur Serge Taïgba, eh bien, il a dit une phrase qui a suscité beaucoup de réactions. Il dit « L'argent ne se cherche pas. L'argent se génère. » On aura l'occasion, si vous restez avec nous en notre compagnie, vous aurez l'occasion, chers téléspectateurs, d'en savoir davantage. Juste après, c'est bon à savoir, vous aurez les rendez-vous où nous recevrons nos invités avec beaucoup de bonheur. Aïcha Koné est la première vidéo que nous avons prévue pour vous. Regardons et on se retrouve dans quelques instants. For a masonela Nangere ke jinaye Se for a masonela Se for a sabari Se for a sabari Nye mori lo nyiringa Kofura te jerabi l'enfant de Banco. Maïcha, Maïcha, mon amour. Maïcha, Maïcha, mon amour. J'ai demandé au docteur l'amour. Femme Konaté,
Fala Kaba, la chérie de Sam. Voilà, vous suivez Midi chez nous, eh bien, c'est la rubrique C'est bon à savoir. Nous recevons M. Serge Taïba, il est formateur en développement personnel, il est aussi chef d'entreprise. Avec lui, on développe un sujet, je le disais à l'introduction, l'intelligence financière. Voilà. Ouais, ça me fait sourire déjà parce que je crois que mes propos de la dernière fois ont suscité vraiment énormément de réactions. Tout à fait. Certains m'ont envoyé des messages, moi-même appelé pour me dire qu'ils ont été tourmentés par mes propos au point de vouloir me voir pour plus d'explications. Je leur ai dit, suivez aujourd'hui. Mais quel est cet homme qui dit que l'argent ne se cherche pas? Oui, c'est vrai que c'est nouveau pour la plupart des personnes parce que tout le monde se dit l'argent, il faut chercher, il faut chercher l'argent. Et récemment, les gens se dépend aussi du sens qu'on accorde à chercher l'argent. Peut-être. Parce que l'argent, c'est pas comme quelque chose qui est caché quelque part, où voilà. On se promène et puis on a la chance de tomber là-dessus. Voilà, effectivement. Mm-hmm. Parce que je le dis parce que cette compréhension-là peut nous emmener dans une certaine dynamique qui n'est pas la bonne dynamique. Et donc, quand on comprend que l'argent se génère, on ne se plaint pas, par exemple, que l'argent ne circule pas. Mm-hmm. Comme récemment, l'argent faisait, l'argent ne circule pas. Mais l'argent n'a pas besoin de circuler. Il faut générer de l'argent. Bon, c'est dommage que notre cadre ne nous permet pas d'entrer dans beaucoup de détails pour l'expliquer. Mais pourquoi l'argent n'a pas besoin de circuler? Quand on dit, par exemple, que l'argent, c'est fait pour partie, l'argent, ça va et oui, ça vient. Effectivement. Bien sûr, je suis dans un contexte bien précis. Mm-hmm. Parce que celui qui dit que l'argent ne circule pas, généralement, vous allez voir que c'est quelqu'un qui est assis à la maison et qui se plaint, par exemple, que l'argent ne circule pas. Mm-hmm. Il ne met pas en place une activité qui va générer de l'argent. Celui-là, il se plaint que l'argent ne circule pas. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas une question de l'argent circule et je vais aller prendre ma part. Non. Il faut créer une source. C'est ce que je disais la dernière fois. Il faut créer un générateur. Et quand on a un générateur, on a le droit de produire de l'argent. On a le droit de pouvoir générer de l'argent. Voilà. Mais le véritable problème, on est tous d'accord là-dessus, mais le véritable problème se trouvait à ce niveau. Oui. Et c'est-à-dire comment créer une source. On a pris, par exemple, le cas d'un salarié. Voilà, donc on a même parlé de l'inflation, de la flambée des prix. Effectivement. On a estimé que ça contribuait à la pauvreté. Et vous avez dit non, ça ne contribue pas. Ce n'est pas parce qu'on augmente les prix des denrées alimentaires ou des articles ou des objets qu'on s'appauvrit. Oui, bien sûr, parce que laissez-moi à ce niveau-là donner juste une image ou une illustration qui va vous faire comprendre pourquoi je dis ça. Je suis allé dans certains endroits, même dans ce pays et souvent ailleurs. Il y a des endroits où la vie est vraiment relativement moins chère. Vous avez des maisons là-bas à 2000 francs CFA, des maisons à 3000 francs, ça existe. Des maisons à 5000, 7000. Mais dans ces endroits, vous allez trouver beaucoup de pauvreté. Vous allez voir très peu de millionnaires dans ces endroits. Mais ça s'explique. Peut-être, il n'y a pas de problème, ça s'explique, c'est clair. Est-ce que ce n'est pas parce que la pauvreté s'est installée là-bas que les maisons, comme vous le dites, sont à moindre coût? Mais je veux dire, si on veut comprendre que et le fait d'avoir des prix bas est, je veux dire, avantageux pour pouvoir jouir d'une certaine liberté financière. Donc, je comprends que si la vie est moins chère quelque part, les gens doivent être épanouis financièrement. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Par exemple, vous allez dans certains pays, même en Afrique ici, Luanda, en Angola, qui est l'une des villes les plus chères au monde, vous avez les appartements là-bas à hauteur de millions. Vous avez des appartements en location, je vous dis, qui font plusieurs millions en location. Et c'est comme ça partout dans la ville. Vous avez là-bas les canettes de sucreries, vous les avez à hauteur de 5 000 francs, ce que nous on achète ici à 400, 500. La vie est vraiment chère là-bas, mais vous allez voir des centaines et des centaines de millionnaires, des milliardaires. Vous comprenez, en dollars bien sûr, mais je veux dire, ce n'est pas vraiment le problème des prix. On a l'impression qu'il y a un paradoxe, mais en même temps, je crois que vous avez une explication. Oui, j'ai une explication. Je veux dire simplement que pour pouvoir devenir libre financièrement, ce qu'il faut faire, il faut générer plus de revenus. Quand on va avancer, je vais expliquer, parlant des sources, il faut multiplier ces sources par exemple. Si vous avez une seule source qui va vous rapporter de l'argent, vous vous rendez compte que ce que ça vous rapporte n'est pas suffisant. Ce que vous avez à faire, c'est de multiplier les sources. Multiplier simplement. Les sources avec quelles ressources? Bien sûr, si vous avez déjà une source et que vous dites que ce n'est pas suffisant ce que ça me rapporte, mais le peu que ça vous rapporte là, si vous êtes vraiment... Voilà pourquoi on parle d'intelligence financière. Parce que là, c'est là que l'intelligence intervient pour voir maintenant avec très peu comment multiplier. Ben, je veux qu'on revienne sur la définition de l'intelligence financière pour qu'on soit tous au même niveau d'information. D'accord.
On avait dit que l'intelligence financière, c'était cette capacité-là à comprendre les rouages des finances, voilà, comprendre la, vraiment la notion même de l'argent. C'était important de comprendre cela parce que quand on ne comprenait pas la notion de l'argent, on peut en faire un abus, on peut mal utiliser l'argent. Et on peut avoir des problèmes avec l'argent. J'ai dit que ça nous entraînait un certain rapport avec l'argent. Et ce rapport-là, quand il n'est pas vraiment bien géré, on peut soit se retrouver à la limitation financière. Quand il est bien géré, on se retrouve dans une liberté financière. Et ces rapports avec l'argent, comment est-ce qu'ils se définissent? Ils se définissent déjà par un rapport, c'est une relation. Voilà. Et généralement, j'ai donné des signes. Et certaines personnes, par exemple, qui dans leur tête, se sentent obligées, par exemple, d'abuser des droits de l'autre, de pouvoir utiliser des moyens de tourner pour avoir de l'argent. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils n'ont pas d'autres moyens, parce que le pays est dur, l'argent ne circule pas, donc il faut utiliser ces moyens-là pour avoir de l'argent. C'est une mauvaise intelligence financière. Voilà. Et c'est ces choses-là qu'il faut régler. Hein, par exemple, vous voyez des gens qui j'ai donné le témoignage d'une jeune dame qui était sur une chaîne, d'une radio de proximité, qui disait qu'elle était prête même à sortir avec un homme, à pouvoir à la limite se prostituer pour pouvoir avoir de l'argent. C'est une intelligence qu'elle a par rapport aux finances. C'est pas juste. C'est une mauvaise intelligence financière. Il y a pas mal de signes comme ça. Est-ce qu'on peut appeler même ça une intelligence? Oh, voilà, c'est même pas une intelligence en plus. Voilà. Donc, il est vraiment important d'avoir la bonne intelligence financière. Peut-être que plus loin, je donnerai les signes d'une bonne intelligence financière. Mais pourquoi plus loin? Vaut mieux le faire maintenant. Voilà, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est quoi les signes alors? Oui, déjà, l'intelligence financière commence par la capacité d'acquisition ou de production. Bon, quand je parle de la capacité d'acquisition ou de production, ça parle de notre capacité à générer de l'argent. Quand on n'a pas de capacité à générer de l'argent, quand on n'est pas producteur... Je veux dire, cette capacité-là à générer de l'argent, elle est produite par quoi? Comment ça commence? D'où vient le déclic? D'accord. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on parle d'intelligence, et ça touche tous les domaines d'intelligence, que vous prenez l'intelligence culinaire, l'intelligence kinésistique, en matière d'intelligence, il y a un volet génétique et il y a un volet pédagogique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui naissent avec une certaine intelligence. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes qui, naturellement, sont prédisposées à la gestion. Elles n'aiment pas dépenser. C'est naturel. Elles n'ont pas appris ça à l'école, mais naturellement, elles sont très, gestion, très réglées dans leurs dépenses. Par contre, il y a d'autres personnes, c'est le contraire. Elles sont dépensières. Il y a un volet génétique. Et quand je parle du volet, il y a l'autre volet qui est le volet pédagogique, qui est des personnes qui n'ont pas forcément le don naturel, mais qui ont appris, qui se sont éduquées financièrement, qui ont appris comment gérer l'argent, comment générer de l'argent, comment fructifier l'argent. Et là, c'est en fait comme ça que ça se passe. Vous pouvez naître avec, mais si vous ne naissez pas avec, apprenez. Éduquez-vous, formez-vous. Et vous avez, ça s'apprend? Bien sûr, il faut peut-être consulter un coach financier, un conseiller financier pour vous faire aider. Il y a des séminaires qui se donnent aussi autour de l'intelligence financière, de la gestion financière et tout ça. Et donc, c'est des choses auxquelles il faut vraiment avoir recours pour pouvoir vraiment se développer à ce niveau-là. Voilà. Alors, le réalisateur posait la question la dernière fois. Alors, pour quelqu'un, un fonctionnaire qui est sous-payé, là, on va aller, dans un cas vraiment pratique. On va prendre le cas d'un fonctionnaire qui est payé à 300 000 francs. Il est marié, il vit dans une maison confortable. Comment est-ce qu'il s'en sort? Comment est-ce qu'il arrive à partir de son salaire à générer des fonds? D'accord. Ce que je dis à ce niveau-là, c'est que lorsque vous voyez quelqu'un qui a des problèmes de finances, il a fait ce que j'appelle un mauvais départ. Vous voyez, dans la vie, c'est comme en athlétisme. Hein. Quand il y a un mauvais départ, vous ne pouvez pas gagner la course. C'est sûr. Quand vous prenez un faux départ, vous ne pouvez pas gagner la course. Voilà. En matière de finances, généralement, la plupart des gens prennent des mauvais départs. J'en fais partie. Je fais partie des personnes qui ont pris des mauvais départs. Parce que je n'avais pas compris certaines choses. Et ça m'a causé pas mal de soucis. Et la plupart des gens. Ça vous a servi d'expérience. Ça m'a servi d'expérience. Aujourd'hui, je comprends. Voilà pourquoi j'enseigne sur l'intelligence financière. Donc, la plupart des gens prennent de mauvais départs. J'ai dit que quand vous êtes fonctionnaire et vous avez un salaire, généralement, quelqu'un qui ne travaille pas n'a pas un certain niveau de charge. On est d'accord. Généralement, quand les gens commencent à travailler, c'est ce qui est logique. C'est ce qui est logique. Bien sûr. Et on est souvent confronté à certaines réalités. Oui, il ne faut pas prendre des engagements. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé ça en antenne tout à l'heure. Il ne faut pas prendre des engagements au-delà de ses moyens. C'est vraiment pas intelligent financièrement. Certains qui disent non, que voilà, au village, on m'appelle, on me demande de l'argent. Non. Peut-être que j'en parlerai. Il y a l'ordre des priorités dans nos dépenses. Il y a ce qu'on appelle nos obligations, il y a nos besoins et puis il y a nos désirs. Voilà. Tant qu'on n'a pas fini de régler nos obligations, on ne passe pas aux besoins. Tant qu'on n'a pas fini de régler les besoins, on ne passe pas aux désirs. Et les gens confondent les choses. Il faut gérer, il faut avoir un ordre de priorité dans la gestion même de l'argent, dans la manière même de dépenser l'argent. Moi, si quelqu'un m'appelle au village qui me dit qu'il a besoin d'argent, j'ai mes réalités. Je regarde ça d'abord et quand il n'y a pas de surplus, je ne peux pas. Je lui dis ouvertement, là, je ne peux pas. J'ai des engagements là. Je ne peux pas.
Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. Quand on n'a pas, on n'a pas. Oui, donc moi, je n'ai pas besoin de dire oh, il faut que les gens pensent que j'ai l'argent. Je n'ai pas besoin de ça, honnêtement. Quand je n'ai pas, je dis je n'ai pas. Et même si j'en ai et que ça doit servir à quelque chose, je dis là, je n'ai pas pour vous. Je n'ai pas pour vous donner. Trouver mais comme c'est maintenant que j'ai l'information, je vais l'insérer dans ma prévision. Dans, bien sûr, il faut le faire. Il n'y a aucun problème. Généralement, lorsque les gens ont des problèmes d'argent, ils prennent des mauvais départs. Et souvent, quand ils commencent à travailler, ils prennent des crédits là, ils prennent des engagements attends, là. Attends, ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant avant même de commencer à travailler, on a déjà des dettes. Hein. Mais là, voilà. C'est un mauvais départ. Par exemple, quelqu'un qui effectue un stage et qui est sûr d'être embauché, il est face à certaines réalités. Il a par exemple besoin du transport parce qu'au niveau de son stage, on ne lui donne rien du tout. Mmh. Alors... là, il est obligé de prendre de temps en temps le transport, il est obligé de prendre quelques vêtements pour se vêtir, pour être bien, pour se parfumer, tout ça, avoir pierre à l'allure pour être au travail. Oui. Et là, je veux dire, son premier salaire, c'est déjà géré là. Oui, mais si c'est juste le premier salaire, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand ça dure que ça devient compliqué. Mais est-ce que là, on ne peut pas dire qu'il a pris un mauvais départ? Quand même, je pense qu'il y a toujours un moyen. Peut-être pas dépit, mais il a quand même pris un mauvais départ. Il a pris un mauvais départ, c'est sûr. Il y a toujours un moyen de pouvoir gérer ces cas-là. Je pense qu'on n'est pas obligé de forcément tomber dans trop de dans l'importance de l'apparence. Mm-hmm. Dire, il faut que je sois habillé. Voilà, même le transport, on peut utiliser des moyens de transport assez moins chers. Mm-hmm. Par exemple, il y a les bus qui sont là, il y a des moyens de transport, les taxis communaux, tout ça, qu'on peut utiliser pour ne pas avoir... Parce qu'on n'en a pas suffisamment en ce moment. Donc, il faut faire avec les moyens de bord. Mm-hmm. Ouais, donc, généralement, les gens prennent des mauvais départs. C'est vraiment ça que je veux venir. Donc, quand quelqu'un se retrouve là, il a pris un mauvais départ. Donc, ce qu'il faut faire, il doit revenir en arrière et puis maintenant s'éduquer financièrement et voir à partir de ce qu'il a, comment pouvoir se développer. Je reviens tout de même à ma question par rapport au salarié qui débute avec 300 000 francs. Mm-hmm. Il doit se loger, il doit se nourrir, il doit s'habiller, il doit faire ci, il doit faire ça. Il est confronté à beaucoup de charges. Quand on sait aujourd'hui le coût élevé des loyers, le coût élevé aussi de la vie, tout est cher. Oui. Tout est cher. Bien sûr. Alors, comment est-ce qu'il fait, je veux dire, pour ne pas prendre un mauvais départ, est-ce qu'il va chercher une maison dans un quartier précaire Non, qu'est-ce pas forcément. Il y a des maisons qui ne coûtent pas cher. En matière de loi financière et économique, on dit aux gens ne dépensez pas plus de 30% de votre salaire dans un loyer. C'est le conseil qui est donné. Pas plus de 30%. C'est-à-dire, s'il est payé à 300 000 francs, c'est 90 000 francs. Voilà, pour le loyer. Il ne doit pas dépasser. Il ne doit pas dépasser 90 000. Soit il va en dessous, mais il ne doit jamais aller au-delà. En matière d'économie, il doit s'arranger pour économiser au moins 20%. Chaque mois. Ça, c'est une rigueur que chaque salarié doit pouvoir se fixer. Mais tout le monde n'a pas la capacité de le faire. Au moins 20 000 francs. Voilà, au moins 20%. Hein, 20%, ça dépend du salaire. Voilà, 20%, un cinquième. Voilà, et ça, c'est cette intelligence-là est tirée même des scènes d'écriture. Le Joseph, qui était en Égypte, qui voyait une famine venir. Parce qu'en fait, c'est une... C'est une stratégie qui est appliquée pour préparer les mauvais jours. Il était beaucoup de pays aussi. Beaucoup de pays, par exemple, le Japon même utilise ça comme une stratégie assez importante dans leur fonctionnement financier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait une famine qui devait venir 7 ans après. Et il a dit économiser un cinquième, qui équivalait à 20%. Et quand la famine est venue, il a pu gérer la famine. Il a pu gérer les problèmes qui étaient là. Et donc, c'est une intelligence. Il faut pouvoir s'organiser pour gérer, pour économiser au moins 20%. Il faut s'imposer cette rigueur-là. Voilà. Ce n'est pas toujours évident de le faire, j'avoue, mais il faut s'imposer cette rigueur-là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et au niveau du loyer, il ne faut pas dépasser les 30%. Donc, on a comme 50% qui est déjà mis de côté. Et le reste de l'argent, on peut l'utiliser pour faire vivre avec, payer le transport, faire le reste des choses. Les factures. Voilà, les factures, tout ça. Et manger, tout ça. Voilà. Donc, il faut s'imposer ces rigueurs-là. Mmh. Voilà. Et même les 30%, personnellement, je pense que c'est trop. Mmh. Il faut aller peut-être à 20% pour le loyer. Vous voyez. Voilà, il ne faut pas aller. C'est pas évident, c'est pas évident. Il faut le faire. Mmh. Voilà pourquoi j'ai parlé de mauvais départ. Généralement, quand on prend un bon départ, quand on a vraiment cette intelligence-là au départ, il y a des erreurs qu'on ne commet pas. C'est sûr. Donc, vous êtes en train d'insinuer qu'un individu ne peut pas s'épanouir à partir de son salaire. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est là qu'on devait venir parce que j'ai parlé de multiplication des sources. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez un gars? Pardon? Vous avez un gars?
C'est-à-dire, mais moi, attends, c'est quelle question, je tombe des nues là. Mais moi, je ne suis pas mariée. Voilà, je le sais, bien sûr. Je le sais. Mais vous devez avoir un gars et vous devez avoir même plusieurs gars. Vous savez ce que j'appelle des gars? Ah, d'accord. Ok, je vous explique. Je sais que ça allait, j'ai fait ça exprès pour vous. Mais là, j'ai été choquée. Réagir. Hein. En fait, un gars, des gars, c'est des générateurs automatiques de revenus. Voilà. Générateur automatique de revenus. D'accord. Voilà, c'est GAR. Là, on est d'accord. GAR. Alors, voilà. Monsieur Tano, c'est non, pas la peine de couper. Pas, hein. C'est pas, c'était voilà, pour taquiner, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, donc il faut avoir plusieurs gars. Mm-hmm. Il faut avoir plusieurs gars. Généralement, on commence tous avec un gars. J'imagine la jeune fille qui ne sait pas qu'elle doit, par exemple, générer elle-même des fonds, de l'argent, des activités, tout ça. Et elle tombe comme ça sur la télé. Oui, on dit il faut avoir plusieurs gars. C'est ce que je disais là-haut. Mais c'est ce que je disais. Actuellement, les temps sont durs. Non. Générateur. Automatique de revenus. Voilà, on est d'accord. Voilà. Il faut avoir plusieurs gars. Et ça, tout le monde va pouvoir l'avoir. Et plus vous avez de gars, plus vous générez de revenus. Voilà. Donc, ça fait rigoler, c'est clair. Mais il faut avoir plusieurs gars. Voilà. Il faut avoir plusieurs gars. Plusieurs générateurs. Automatique de revenus. Voilà. Et ces gars-là, généralement, quand ils sont établis, on n'a plus besoin de faire des efforts. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, vous n'avez pas besoin de souffrir pour vous enrichir. Voilà, ce n'est pas travailler dur qui donne de l'argent, c'est qu'est-ce travailler qui donne, intelligemment qu'est-ce qui donne de l'argent. Travailler intelligemment. Comment est-ce qu'on l'explique? Déjà, c'est de comprendre vraiment bien la notion de d'intelligence financière et de comprendre bien la notion du travail. Voilà, ça, je ne pourrais pas développer aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais quand on comprend ça, ce qu'on fait, on travaille à créer des gars, comme j'ai dit, des générateurs de revenus automatiques. Et quand plus on crée de générateurs, après, on se retrouve à avoir plusieurs générateurs qui nous emmènent beaucoup de fonds. Et finalement, on peut aller passer des vacances, on peut aller jouer au golf. C'est ce que beaucoup de milliardaires font. Vous les voyez tout le temps en vacances, ils sont au bord de la plage, ils vivent la belle vie parce qu'ils ont déjà établi le générateur. À ce niveau-là, c'est là que le plus dur va se faire. Mais quand on a fini d'établir ces générateurs, c'est fini. On est tranquille. Et moi, c'est ça que je travaille. Et bientôt, vous allez me voir au bord des plages en train de jouer au golf. Je ne vais plus trop souffler parce que c'est ce que je veux faire. Voilà. Donc, il faut vraiment travailler à ça. C'est dommage que je ne puisse pas expliquer ici, mais il faut vraiment travailler à ça. Le fonctionnaire, pour pouvoir avoir plusieurs gars, générateurs automatiques de revenus, comme vous le dites, au bout de combien de temps il économise? Parce qu'il est obligé là de serrer la ceinture faire face à certaines réalités. Oui. Voilà, donc à partir de quel moment il décide de générer des revenus. D'accord. À ce niveau, ce que je veux dire, c'est que en matière d'intelligence financière, ça c'est un des signes aussi, il faut privilégier l'investissement à l'épargne. C'est-à-dire? Et ça encore, je sais que ça va choquer beaucoup. Généralement, privilégier l'investissement à l'épargne. Lorsque vous avez de l'argent, ce qui est intelligent à faire, ce n'est pas d'aller épargner. L'épargne, ce n'est pas un bon réflexe financier. Parce que l'épargne, quand vous mettez de l'argent dans un compte d'épargne, généralement, je sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est autour de 3,5% le taux d'intérêt. Et vous allez attendre un an pour avoir 3,5% qui s'est ajouté sur votre argent. Mais c'est 20% dont vous parlez, c'est 20% qu'on retire sur son salaire, je veux dire, chaque mois. Où est-ce qu'on les met? Sous le lit? Justement, on doit l'investir. Parce que j'ai dit ça pour pouvoir faire comprendre, mais normalement, ça doit servir à l'investissement. Moi, je pensais que ça devait servir à une certaine épargne sur une période. Oui, bien sûr, parce que lorsqu'on fait l'épargne, le but, ce n'est pas d'épargner pour épargner. J'ai dit que épargner, ce n'est pas intelligent financièrement. Voilà. Moi, si j'ai de l'argent, au lieu d'aller mettre dans un compte en banque, aller épargner, si je l'investis dans une affaire, je suis sûr d'avoir au moins 5% ou 10%. De profit. Où est-ce que je vais dire? Et c'est pas toujours besoin. Je veux dire, ça ne garantit en rien la réussite de votre affaire. Parce qu'on fait aussi des affaires à perte. Bien sûr. Et là, maintenant, c'est là que maintenant la notion des risques va se poser. Il y en a qui n'ont pas le goût du risque. Qui ne risquent rien. Mais quand vous ne risquez rien, vous n'avez absolument rien. Et celui qui estime que c'est trop risqué d'investir son argent et lui préfère épargner, il n'y a pas de problème. Il n'aura pas de perte, mais il n'aura non plus. Il n'aura pas non plus aussi de revenus. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais je veux dire, il est plus intelligent de chercher à investir ce qu'on a plutôt que de l'épargner. Et beaucoup de personnes sont tournées vers l'épargne. Et l'épargne, ça ne rapporte pas beaucoup. C'est vraiment pas sérieux financièrement d'aller prendre son argent et puis de pouvoir le mettre dans un compte d'épargne et puis on attend des années. Non, c'est pas... Il faut pouvoir... Chaque fois qu'on reçoit de l'argent, il faut privilégier l'investissement. C'est-à-dire voir dans quoi est-ce que je peux mettre l'argent pour le fructifier.
Vous comprenez? Qu'est-ce, dans quoi est-ce que je peux mettre l'argent pour que l'argent se multiplie? Se multiplie. Voilà. Au fur et à mesure, et on dans cet exercice-là, on multiplie constamment son argent. Voilà. Et c'est là qu'on parle maintenant de fructification. Et c'est là qu'on est en train de vraiment entrer dans la dynamique de liberté financière. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand ils prennent de l'argent, même ceux qui ne savent pas, ils prennent, ils épargnent. Et l'épargne, ça ne monte pas. Vous comprenez? Et quand peut-être il a un problème à la maison, il y a un cas de maladie ou bien il y a des funérailles quelque part au village, il prend l'argent, ça sert à ça. Après, il va revenir économiser. Par contre, s'il avait investi, et je veux dire même déjà les profits, la plus-value de l'investissement aurait pu servir peut-être à gérer les charges. Et le capital allait continuer à être en fonction. Vous voyez? Donc, c'est vraiment intelligent de privilégier l'investissement à l'épargne. L'épargne, c'est le dernier réflexe. Quand on n'a plus d'idée, on n'a pas vraiment d'opportunité d'investissement, on se dit, bon, ok, comme je n'ai pas d'opportunité en ce moment, je vais épargner. Mais sinon, ce n'est pas le premier réflexe. Il est important de comprendre cela. Donc, voilà. Il faut pouvoir investir. Investir, oui. Et je veux dire, on parle d'intelligence financière. C'est ça, l'intelligence financière. Et puis, c'est dans les Saintes Écritures. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ce que Joseph a fait. Oui, et ce qui s'est passé après, il y a tout le monde entier se rue vers l'Égypte. Ils ont pu, avec les ressources qu'ils ont pu économiser avec un cinquième, ils ont pu nourrir le monde. Donc c'est important, l'épargne c'est important, mais il faut déjà penser investissement. Parce que l'investissement c'est l'étape supérieure. Bien sûr vous épargnez, mais pensez automatiquement à comment est-ce que je vais fructifier ce que j'ai pu épargner. Si vous devez le laisser pendant 1 an, 2 ans, franchement c'est pas intelligent. C'est vraiment pas intelligent. Est-ce que ça ne dépend pas aussi de ce qu'on veut faire comme activité, ce dans quoi on doit investir? Oh oui, il n'y a pas de problème. Si, peut-être ou qu'est-ce que vous conseillez, qu'on commence peut-être par de petites activités? Bien sûr, il faut toujours commencer petit, voilà. Mais ce que je veux dire, comme vous avez dit, ça dépend de l'activité aussi. C'est une activité peut-être qui demande un peu plus de temps, qui demande vraiment assez de dispositions administratives, il y a plein de papiers à faire. Et donc l'argent est là, l'argent attend, il n'y a pas de problème. Voilà, mais je dis ça pour orienter les gens, pour dire en fait, ne pensez pas d'abord épargne, mais quand vous avez épargné, automatiquement, dites-vous qu'est-ce que je peux faire pour fructifier cet argent-là. Parce que quand il est couché, quand il dort, il ne produit pas. Voilà, donc c'est vraiment pas intelligent de penser épargne. Donc tout salarié peut aspirer à la richesse. Oui. Tout salarié peut devenir riche. Oh, riche. Je dis souvent aux gens, et ça c'est un leader qui l'a dit, et je répète aussi après lui, qu'il y a suffisamment de ressources pour tout le monde. Vous voyez, même dans ce pays, même autour de moi, je vois des gens qui se plaignent. La vie est dure, la vie est chère. Non, on est dans un pays, on est dans un monde même d'opportunités. Et puis, il faut arrêter aussi quand même de le dire. Bien sûr. De scander à chaque fois la vie est dure. Non, la vie n'est pas aussi finalement, dure. Finalement, même quand elle n'est pas dure, quand on le dit, elle finit par être dure. Oui. Parce que c'est des choses qu'on s'attire. Oui, on est entouré d'opportunités. Là, on est dans un monde d'abondance. Il y a suffisamment de ressources pour tout le monde. Chacun doit prendre sa part. Celui qui pense que la vie est dure et que lui, c'est lui qui voit. Mais moi, je pense qu'il y a suffisamment pour tout le monde. Il y en a suffisamment et surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où il y a énormément de richesses, je pense que chaque Ivoirien vraiment peut prendre sa part. Mais à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a des personnes qui se contentent ou qui se complaisent dans la pauvreté? Je pense déjà que c'est un aveu d'échec ou un aveu de défaite. Voilà, je vais dire ça comme ça parce que beaucoup... Il y en a quand même qui sont des personnes qui ont peur. C'est toute une question de mentalité. C'est ce que j'appelle le complexe. Ça, c'est mon mentor qui le disait. Il parle du complexe de la sauterelle. Et le complexe de la sauterelle, en fait, c'est des gens qui se voient tellement petits, qui se croient tellement incapables, qui se disent qu'ils ne peuvent pas réaliser des choses. Ils se disent, bon, nous, on est les petits, on est là, c'est pour les autres. Voilà, c'est pour les boss, là. Vieux père, voilà ton fils. Bon, c'est vraiment pas une mentalité à entretenir, vous voyez. Donc, certaines personnes dans ces complexes-là, ils se voient petits, ils se disent, non, moi, je peux rien réaliser, je peux rien faire. Non, tout le monde est capable de générer des richesses, et suffisamment de richesses. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous allez en Asie, c'est des pays où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de millionnaires, de milliardaires. Pourquoi? Les gens ont compris cela. Et ça crée une dynamique, même dans tout le pays. Vous voyez, les gens ont commencé à entreprendre, ont commencé à produire des richesses dans tous les sens. Et aujourd'hui, on voit ce que ça a donné. Et c'est possible pour nous ici aussi. Voilà. Et généralement, moi, personnellement, je parle du rêve ivoirien. Rêve ivoirien, c'est sûr. Qu'on va se dire au revoir. Oui. Il ne faut pas tout dévoiler aujourd'hui. La semaine prochaine, on abordera l'acte 3 de ce chapitre, l'intelligence financière. J'espère que vous prenez bonne note.
Monsieur Serge Taïgba, je le rappelle, il est formateur en développement personnel et chef d'entreprise. Avec lui, donc, on parlait de l'intelligence financière. Il va nous donner son contact pour qu'on puisse le joindre et puis peut-être pourquoi pas poursuivre aussi le débat. Oui, pourquoi pas. C'est le 09 15 58 79. 09 15 58 79. Merci encore d'être venu éclairer notre lanterne. On va vous dire au revoir et vous dire merci avec les chefs d'Israël. On se retrouve dans quelques instants. Ouais, Jean-Marc Boilly, l'arrangeur du Saint-Esprit, le professeur. Révéra Honora Kojo, Jésus te laissera jamais tomber. Ouais, ouais. Il ne m'a jamais laissé tomber, il ne m'a jamais laissé tomber, il ne m'a jamais laissé tomber, tomber, Jésus m'a jamais laissé tomber, il ne m'a jamais laissé tomber, maman Sophie, il ne m'a jamais laissé tomber, Eric Baléo, il ne m'a jamais laissé tomber, tomber, Jésus m'a jamais laissé tomber, la paix Martin Fred. Dis-moi, oh, maman Clarisse, oh, est-ce qu'un jour Jésus t'a laissé tomber? Jamais. Dis-moi, oh, Marie Justino, est-ce qu'un jour ton Dieu t'a laissé tomber? Jamais. Dis-moi, oh, Anissa Fantané, est-ce qu'un jour Jésus t'a laissé tomber? Jamais. Dis-moi, oh, maman Botilis, est-ce qu'un jour Jésus t'a laissé tomber, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Sonio, il ne m'a jamais laissé tomber. Moi que tu vois, il ne m'a jamais laissé tomber. Tomber, Léo, Jésus m'a jamais laissé tomber. Dis-moi, mais Danielo, est-ce qu'un jour Jésus t'a laissé tomber? Jamais. Dis-moi, est-ce qu'on gère moi? Est-ce qu'un jour ton Dieu t'a laissé tomber? Jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Maman Ishao, il ne m'a jamais laissé tomber. Elle t'inquiète, il ne m'a jamais laissé tomber. Tomber, l'aiguille, Jésus m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Pasteur Mario, il ne m'a jamais laissé tomber. Bébé Zafo, il ne m'a jamais laissé tomber. Tomber, l'aiguille, Jésus m'a jamais laissé tomber. Ils se sont levés. Ils disent dans ta famille, personne ne va voyager. Oh. Ils ont dit, tu vas voyager? Moi, tu vas jamais voyager. Je vais voyager. Je te dis, Dieu, tu vas voyager. Faut écrire à ton cahier. Je vais voyager devant toi. Je vais voyager. Je ne suis pas concerné. Je vais voyager au nom de Jésus. Les sorciers, ils disent dans ta famille, personne ne va se marier. Oh. Mais je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Non, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Ah, je ne suis pas concerné. 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 Ils se sont levés. Ils disent dans ta famille, personne ne va prospérer. Voilà, transition toute trouvée pour recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing, d'autant plus que notre premier invité était un serviteur de Dieu, le révérend apôtre Bailly. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Soyez bénis. Amen. Alors, vous nous parlez d'une croisade et d'un séminaire dans deux lieux, Adjamé et Yopougon. En effet. Nous vous écoutons. Alors, c'est à l'initiative du CNPSI. Je dis par là le Conseil national des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, dirigé par le révérend Mangui Bernard, qui est absent du pays, et dont je suis le premier vice-président national, qui organise donc un séminaire au profit des pasteurs ivoiriens, tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, et en particulier ceux du CNPSI. Alors nous avons invité un éminent serviteur de Dieu, un pasteur ghanéen, qui a une grande expérience, et qui vient pour changer la vie des pasteurs ici, transformer chaque pasteur pour qu'il devienne un leader.
Parce qu'il faut que chaque pasteur devienne un leader. Ils ne sont pas déjà des leaders? Non, pas forcément. Pas forcément, parce que... Mais qu'est-ce qui va véritablement leur apporter de nouveau? Un enseignement basé sur son expérience, parce que lui, il a déjà vécu quelque chose qu'il a expérimenté. D'accord. Aujourd'hui, il est propriétaire d'une radio personnelle, d'une télévision, d'une banque, d'une assurance et une société immobilière qui fait même une promotion immobilière au Ghana. Il est très nanti et c'est cette expérience qu'il veut partager avec les pasteurs ivoiriens. Aujourd'hui, on ne peut pas, un pasteur ne peut pas véritablement aujourd'hui travailler et dire qu'avec la petite dîme offrande, il peut mener à largement sur le plan national l'évangélisation. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, si elle est 15, ça va se dérouler du 15 le, au 18 du 15 mai. Au 16, ça va se passer à l'église Bethany, à Adjamé. Ça, c'est le séminaire le matin. Du 15 au 16. Du 15 au 16. Et puis, le même 15 au 16, le soir, il aura une croisade à la BAE à Yopougon. Et à cette croisade, ce n'est pas une croisade dédiée seulement au pasteur, mais ça, ça concerne tous les chrétiens et les non-chrétiens, tous les Ivoiriens, de 18h jusqu'à 21h par là. Ok, voilà. D'accord. Vous avez des contacts? Oui, nous avons des contacts. Nous avons le 05 45 52 12. Nous avons le 05 26 63 39. Révérend apôtre Bailly, merci d'être venu sur notre plateau. Nous parler donc de la croisade et d'un séminaire à Adjamé à Yopougon du 15 au 18. Du 15 au 16 ou du 15 au 18? Non, du 15 au 18. Au 18. C'est le séminaire, je disais tout à l'heure que c'est le séminaire qui va se passer du 15 au 16. Okay. Mais jusqu'à 18, nous avons le dimanche, il y a un culte spécial. Le samedi, le 17, donc, il y a un service d'onction à l'église Bethany à Adjamé, Saint-Michel. C'est parfait. Voilà. 05 26 63 39 41 07 88 78 pour plus d'informations. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Je vous en prie. Monsieur Douba Unko. Unko. Ah, pardon. Je suis têtu. Hein. Oh non, pas de souci. Hein. Douba Unko, ouais. Il est encore là ce matin pour des remerciements aux participants du Festival des glaces, du chocolat et de la pâtisserie qui a eu lieu les 19, 20 et 21 avril à l'espace à Jardin du Plateau. Exactement. J'allais dire, maman Da Silva, merci beaucoup. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a fait pour tous les festivaliers. Et il faut dire que ce festival a eu lieu le 19, 20, 21 avril dernier. En tout cas, c'était très extraordinaire et nous disons merci à tous ceux qui ont pris part à ce grand festival, raison pour laquelle nous avons effectué le déplacement ce midi pour qu'ensemble on essaie de montrer ces belles images à nos amis qui n'ont pas pu assister au festival pour leur faire comprendre que c'était quelque chose de fabuleux, quelque chose d'extraordinaire, du jamais vu en Abidjan. On se croyait même à un carnaval, vous le voyez. Là, en ce moment, on assiste là, les enfants s'amusaient, on s'éclatait au maximum. Et à côté de ça, la fanfare, voilà, vous voyez les différents stands. Couleurs. Voilà, des belles fleurs. Ce qui m'a un peu marqué, c'est que je n'avais pas vu là-bas. Vous étiez absent. Et ça vous a marqué, j'ai brillé par mon absence. Oui, voilà. Laissez tomber, la prochaine édition, j'y serai sans faute. D'accord. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc, juste pour dire comme ça, aux côtés de, j'allais dire, voilà, de la glace et puis des chocolats qui s'achetaient comme des petits morceaux de pain. Il y avait aussi le spectacle, voilà. C'était pas seulement un spectacle pour enfants, tout le monde y était. Il y avait des grandes personnes, voilà. Il y avait aussi des ballets, voilà, qu'on assistait. Vous voyez là, c'est le spectacle qui commence à partir de midi. Déjà, nous commençons à 8h, on ouvre les portes. Et à midi, le spectacle commence. On assiste aux différentes cérémonies qui ont lieu. Et voilà, là aussi, vous voyez ce qui se passe. Voilà, là, ici, c'est le spectacle dansant, le concours de danse que nous organisons. Parce que ça a quand même drainé du monde. Oui, il y a eu du monde, je le dis. On avait prévu près de 3500 personnes par jour, mais on s'est retrouvé le premier jour à près de 6000 personnes. Wow. Et puis le deuxième jour, le dimanche. Et comment vous avez pu gérer ça? Bon, j'avais une organisation parfaite, ouais, il n'y a pas de souci. J'imagine. Ouais, vous voyez déjà là, les artistes qui passent. À tel enseigne qu'il y avait une concurrence entre les quartiers.
Yopougon Tikria, c'est nous, Yopougon sont les plus nombreux. Abobon Tikria, Cocody, en tout cas, c'était extraordinaire. Il y avait aussi le concours culinaire au niveau des grands pâtissiers, les élèves pâtisseries. Ah, on a vu le président là. Le président, Serge, vous le connaissez. Les pieds. Voilà, oui. Voilà, le président était présent. Là, ce sont les grands supporters partout, ils sont là. Mm-hmm. Voilà, donc ils sont venus soutenir aussi à leur manière. D'accord. Mais quelque chose de fabuleux, c'est qu'à chaque fois que les stands se vidaient des glaces ou bien des chocolats, on commandait en même temps. Mm-hmm. Donc, en aucun moment, il n'y a eu de vide. D'accord. Voilà. Alors, rendez-vous donc l'année prochaine. Rendez-vous pris pour l'année prochaine. Tout le monde sera invité. On leur dit, on les attend sans problème. Et puis, tout sera bien passé. Là, ça nous montrait que c'était un peu petit. On va en retrouver.